Elephant's Waltz. Je vais jouer ton morceau une fois à 60 à la noire à peu près. Ensuite, on va le chanter une fois. On va chanter avec le nom des notes. Ensuite, je vais le jouer en pids, pas très vite pour que tu vérifies tes doigtés. Puis, une fois à l'archet, pareil, pas trop vite pour que tu puisses vérifier tes coups d'archet. Et je terminerai par le jouer une fois en comptant tout fort. Chantons le nom des notes. Do, do, sol, mi, sol, do, do, mi, fa, sol, 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 ré, si, ré, sol, mi, sol, fa, mi, ré, do. J'ai été obligée de changer d'octave en cours de route. Toi aussi, certainement. Une fois en pids pour vérifier les doigtés. Je commence directement en deuxième position. Pas de sol, corde à vide. Do, corde à vide. Presque la même chose hein, sur les deux cordes du milieu maintenant. Sol corde à vide, le sol en deuxième position. Pas de ré corde à vide, on l'a sous notre quatrième doigt. À nouveau notre sol quatrième doigt. Première position pour la fin. D'archet. Dès la première mesure, tu as un coup d'archet typique de valse. Le premier temps, le temps fort en tirant et les deux autres en poussant. Comme il s'agit de deux notes répétées, évidemment, on arrête l'archet au milieu, sinon on n'entendra pas de do noir mais un do blanche. Je reviens au talon pendant le soupir. En comptant tout fort maintenant, pas trop de difficultés pour toi, hein. Blanche, noire, soupir, hein, silence de noir. Et puis décroche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu peux revenir te poser au talon pour recommencer et faire la reprise indiquée.